les gens. Bonjour. Bonjour à tous. Et on se retrouve pour le 11e épisode. C'est ma phrase, c'est pas trop longtemps. Moi, ma phrase, c'est bonjour. Voilà, c'est ça. C'était pas Guten Tag. Non, mais j'ai changé, en fait, je sais que... Si on fait pas d'anglicisme, alors pourquoi est-ce qu'on ferait des allemandismes? C'est vrai. Alors, bientôt, il y aura une nouvelle intro à chaque vidéo. Donc, on attaque direct avec la correction du remue-ménage de la semaine dernière, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le temps. Alors, deux pères et deux fils jouent à la chaise musicale, mais ils n'installent que deux chaises musicales. Donc, ils ne sont que trois joueurs. Comment est-ce possible qu'on ait deux pères et deux fils de n'être que trois joueurs? Je te laisse, j'ai un message de petit cheval. On a eu... Ça marche, ouais, il est en retard, petit cheval. Ouais. Il faudrait que ça achète une montre, hein, parce que là... Eh bien, on n'a eu aucune participation, malheureusement, mais bon, vous avez quand même mérité qu'on vous dise la réponse. Donc, en gros, le grand-père et père, du coup, le fils et père, et le petit-fils et fils. Je sais pas si vous avez... Enfin, voilà. Et donc, on va attendre que Vic revienne pour attaquer le remue-ménage de la semaine. Petit cheval. Mais, il m'a envoyé au message et il m'a dit qu'il n'était pas à l'heure. Enfin, il m'a acheté une montre. Oh, bah super, petit cheval, tu vas pas en retard pour le tournage. Attends, tac, je devrais arriver d'ici telle heure, ok, d'accord. Ah, et ben, je crois qu'il sera en retard pour un premier ménage. Tant pis, de toute façon, vous le cherchez jamais, donc c'est pas grave. Ouais. Eh bien, le premier ménage de la semaine, je te laisse introduire avec. Ah oui, monsieur et madame l'ermite ont un fils, comment s'appelle-t-il? Je suis sûre que petit cheval, attends, je lui ai envoyé un message, je lui ai demandé. Je cherche. S'appelle comment le fils de monsieur et madame c'est l'ermite? C'est Thierry l'ermite. C'est l'acteur. Bravo, vous êtes sur Internet. La cité de la peur. Je meuble un petit peu le temps que Vic fasse son texto à petit cheval. Ouais, bah en fait le truc c'est qu'il m'a dit qu'il devait s'appeler je sais pas. Ah ouais, je sais pas l'ermite, ça me dit quelque chose ça. Eh bien écoutez, Vic va me rejoindre, alors je vais commencer à vous dire... Ah et bonjour à tous. C'est Astérlac, t'arrives. Ouais. Et là on est en train de leur dire au revoir, hein, ah, petit cheval. Et ben... C'est fini là. Au revoir à tous. Salut. Ciao les gens, merci d'avoir regardé.